un opposant qui n'organise pas les élections gagne et le candidat du parti au pouvoir l'appelle pour le féliciter. Au premier tour, sûrement il gagne. Grâce à qui? À Sonko. Je connais des Sénégalais qui me disent, oh, Sonko n'est rien au Sénégal. Ne jamais négliger quelqu'un. Ne jamais enfermer quelqu'un. Ne jamais ridiculiser. Maintenant, tous ceux qui partaient humilier Ousmane Sonko. Tous ceux qui partaient rabaisser Ousmane Sonko. Tous les policiers qui partaient humilier Ousmane Sonko. Vous dites quoi maintenant? Il est désormais votre patron. C'est ce qu'on vous disait d'éviter. Ceux qui prenaient le soin de marcher sur Ousmane Sonko, qui partaient l'humilier devant sa femme, ses enfants, qui l'empêchaient d'aller prier à la mosquée. Qu'est-ce que vous allez lui dire maintenant? Vous pouvez maintenant regarder dans les yeux pour lui parler? Plus jamais. La pierre rejetée est devenue maintenant la pierre angulaire. C'est lui désormais le nouveau patron du Sénégal. C'est lui désormais qui va définir la police sénégalaise, l'armée sénégalaise, la justice sénégalaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Sénégal vient de donner une leçon au monde entier, principalement à l'Afrique. Le Sénégal vient de montrer aux Africains que la démocratie, là, ça peut exister. On va aux élections, celui qui gagne, l'autre le félicite. Voici maintenant, voilà les conséquences. Voilà la leçon qu'on vient de nous donner. Les Sénégalais, je me permets ici de vous saluer, de vous féliciter. Grâce à Ousmane Sonko, des gens sont devenus maires, députés. Aujourd'hui, président, grâce à Ousmane Sonko. On voit des soi-disant panafricains qui passent de pays en pays pour aller faire la promotion de la Russie. Voici ce qu'on appelle un véritable panafricain. Il s'est levé. Il n'a pas attaqué quelqu'un. Il a mené un combat pour son peuple. Il a gagné pour son peuple. Kémi Séba, j'attends ta candidature au Bénin. Nathalie Nyang, j'attends ta candidature au Cameroun. Franka Yamsi, j'attends ta candidature au Cameroun. C'est Ousmane Sonko là qu'on dit voici un véritable panafricain. Il n'a pas fait de coup d'état. Il aurait pu appeler l'armée à descendre et à prendre le pouvoir. Mais il n'a pas permis cela. Il n'a pas permis à ce que le président, comme il s'appelle, actuel, soit humilié. Il a tout accepté. Il a tout encaissé. Et avec ses idées, avec l'éducation qu'il a donnée à ses partisans, aujourd'hui il vient de gagner l'élection présidentielle. Monsieur Ousmane Sonko, le général Kami Makosso vous salue. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse le nouveau président. Bonne mission à vous et bonne chance. Tokos.